Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo qu'on fait sur Sonic Frontiers. Ça fait très longtemps, enfin ça fait très longtemps. Ça fait depuis que j'ai commencé le jeu que j'ai envie de le streamer, parce que vraiment j'ai adoré, je l'ai fait durant ma première semaine de convalescence, donc il y a un peu plus d'un mois. J'ai fait 35 heures en moins d'une semaine. Et je l'ai fini à 100%, on va pas se mentir. L'objectif là, ça va être aussi de le finir à 100%. Donc, eh ben écoutez, on est parti. Si jamais ça vous fait plaisir, oui, on peut dire ça comme ça. Si jamais vous êtes hype d'avoir des let's play de ce jeu, n'hésitez pas à toujours liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson, Aïe, je me brûle, c'est la mort. Alors. J'ai l'impression que c'est pas fort du tout. On va checker. Je vais faire une nouvelle partie, hein, bien sûr. Voilà, un petit peu plus fort quand même. Pardon. Voilà, nouvelle partie en normal. Le but, c'est pas non plus de passer 3 heures sur des niveaux un peu chiants, quoi. Style action, style haute vitesse. On va dire style haute vitesse. Je crois que j'avais dû faire style action la dernière fois. Et finalement, bon, 35 heures pour finir un jeu à 100%, c'est quand même assez, assez léger. Alors apparemment, il y avait un court métrage pour expliquer un peu le préquel de ce jeu. J'avoue que j'ai pas regardé. C'est vrai que c'est un petit peu. Ça aurait pas été du luxe de le regarder avant, je vous cache pas. Envoi du programme IA. Aïe aïe aïe. Oula, attendez. Oui, c'est en ligne. Je vais découvrir les secrets. Ouais, on est en ligne, t'inquiète, Eggman. Eggman, comment t'as fait ton coup? Ah oui, le jeu. Les doublages de ce jeu en français sont un peu. Enfin, Sonic. Voilà, disons-le, Sonic. Juste Sonic. Enfin, non, tous les persos. Excepté Eggman. Moi pas fan, mais bon. Après j'ai vu en anglais Sonic, il a une espèce de voix grave, mais genre adulte ténor quoi. On y croit, là typiquement on n'y croit pas du tout au fait qu'ils sont en panique. On dirait une chaîne. En fait, le truc, c'est qu'on dirait que les acteurs ont doublé, enfin les comédiens de doublage, ont doublé les scènes sans voir la scène à l'écran. Juste, ils ont eu la. Juste, ils ont eu le truc, en fait, le script. Alors, attends.
les rings rouges et j'ai dit qu'on faisait du 100%. Donc à chaque fois, il y a plusieurs objectifs. Il y a récupérer les 5 rings rouges. Il y a terminer le niveau tout simplement aussi. Il y a terminer en moins de temps possible. Et il y a le terminer avec un certain nombre de rings au moins. Là, typiquement, va falloir qu'on fasse. De toute façon, je pense qu'on va pas. Le temps, on l'a pas. J'ai manqué la dernière aussi. Après, les rings rouges, elles sont sauvegardées. Coucou Kawa, comment ça va? Donc là, voilà, il faut terminer en moins de 43 secondes pour avoir le rang S. 150 rings, j'en avais que 62. Et il me manque encore 2 rings rouges. Et là, ça va bien, ma Kawa, merci. Ah! Attaque téléguidée. Oui, 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 mais... Alors là, il faut que je me mette sur celui du milieu. Voilà. Hop. Je vais pas avoir non plus les 150 rings. Les graphismes sont sympas en tout cas. Le jeu est assez propre, je trouve. Enfin, en tout cas, il est assez propre pour moi. Ah. Bon, on va faire le... Ah, le time challenge. Très mal parti déjà pour le time challenge, on va pas se mentir. 43 secondes, hein. Allez, allez, allez. Ah, dommage. Et j'ai même pas les rings. Ah, pas grand chose, hein. Mais je me suis pas mal bloqué dans les premières secondes. Faut que j'arrête de vouloir faire les deux en même temps. Soit je fais le time challenge, soit je fais les rings. Là, on est déjà mieux parti. Hop. C'est bon. Plus que le 150 ring. Ouais, on était pas mal. Hop. On va pas passer 105 ans à essayer d'attraper la moindre ring, hein, mais au moins, hop, là, dans ce début de niveau, il y a quand même moyen de se faire un bon petit pactole. Hop. Sonic, s'il te plaît, fais un effort. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être... non. Sur 72. Parfait.
Bon, du coup, je connais déjà le jeu, donc je vais pouvoir vous expliquer au fur et à mesure le pourquoi du comment on fait tel truc, tel truc. Et merci Kawa. De manière générale, le plus dur, c'est d'avoir le temps. Laurent S, au niveau du temps, il y en a certains sur lesquels c'est très... très compliqué, je trouve. J'allais passer n'importe quoi. Enfin. Alors les effets de pluie sont un peu dégueux sur l'herbe, on est d'accord. Mais ça, je crois que c'est le cas sur tous les supports, en soi. Dès que tu fonces dans un sac, tu es très retardé quand même. Ouais, c'est ça. Et les jeux Sonic, en fait... Comment dire ? Dès que tu vas vite et que tu bouges un petit peu à droite ou à gauche, des fois ça t'envoie un petit peu dans les choux tout à coup. Vraiment la difficulté, je trouve, des jeux Sonic en 3D. C'est toujours mieux que nuisible. J'étais avec un hérisson. Je vais pouvoir sauver mes amis. Trouve les Chaos Emeralds. Détruis les titans. Déchire le tissu qui sépare les dimensions. Ok, d'accord. Je pourrais avoir un peu plus de détails. Ohé. Ohé. Bon. On va dire que c'est un début. En route. Les gants, elle est super bien. La texture des gants est ouf. Oui. Alors, du coup... Ah oui, mais c'est vrai que je suis en option haute vitesse cette fois. Je suis en option haute vitesse. Je l'avais fait en mode action avant. AT1, oui, bon, ça d'accord. En gros, là, ce que j'ai fait, donc le niveau, le portail, du coup, ça rapporte des clés. Les clés, ça va nous servir à débloquer des émeraudes du chaos. Parce qu'on va avoir des émeraudes du chaos à récupérer sur la map. Dans chaque monde, en fait, on va avoir ça à faire. Et du coup, pour affronter le boss de la zone, il nous faut les 7 Chaos Emeralds. Sachant qu'il y en a une à récupérer sur lui, donc du coup, il nous en faut 6. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ça, en fait, ces espèces d'indicateurs, c'est des trucs pour la map. Je sais pas, c'était quel bouton la map déjà. Là, c'est des options. Bon, je sais plus. Enfin bref. Hop. En gros, la map va se... Là, c'est l'indicateur C1. Voilà. Et donc... Ah, appuie sur moi. Ok. Donc ça, ce sont des défis. Ça s'appelle des défis. Ça, c'est une graine de puissance. Donc on pourra taper plus fort avec ça, mais on peut pas l'utiliser tel quel. Et en gros, voilà. Et sur l'île. Donc nous, on est ici. Hein. On a un portail qu'on a terminé là. Ça, on en verra plus tard ce que c'est que ces petits cœurs là. Ça va être un gardien. Donc les gardiens, ça va nous... Battre des gardiens, ça va nous rapporter en fait des objets qui vont permettre d'ouvrir des portails. Parce que tous les portails sont pas ouverts par défaut. Et ces indicateurs-là et là, ce sont des défis. Donc les mêmes défis que ce qu'on a fait là pour dévoiler la carte. Donc du coup, au fur et à mesure, comme ça, on va pouvoir débloquer de plus en plus de cartes. Enfin, de plus en plus de parties de la carte. Et en fait, à chaque fois qu'on dévoue un truc de... Qu'on résout un défi. Enfin, qu'on fait un défi et qu'on a une nouvelle partie de la carte. Généralement, le jeu est suffisamment bien fait pour qu'il y ait encore un défi... qui soit visible que qui reste à faire. Oh, il faut qu'on fasse le simulateur. Oh, ça c'est du tuto. Hein.
Ouais, je crois que, grosso modo, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ces petits carrés là, c'est pour débloquer des compétences. Ce sont des points de compétences. Oh. Allez, on va aller par là. Ouh! Voilà, ces cœurs là. Ça va être très important aussi. Et on va être. Normalement, on devrait pas trop être en galère pour en trouver. Mais bon. Kikou. Parce que bon, vous voyez, les cœurs, il y en a d'indiqués un petit peu partout sur la map. Hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de farmer hein, dans le jeu, de toute manière. Remarque, je fais wouh comme ça, mais je me dis ça doit faire bizarre de voir un mec faire wouh avec une expression totalement neutre. Alors le design des robots, par contre, il laisse à désirer. Ah, pour le coup, les robots... Ah, après, t'as pas vu les meilleurs robots. Ça, même ça, c'est pas le meilleur des robots. Le ninja, donc ça, c'est un gardien. Voilà, les gardiens sont très puissants, machin. En fait, c'est vachement cool parce que... Merde. C'est vachement cool parce qu'en fait il te défonce. Non, c'est vachement cool parce que il y a plein de sortes de gardiens avec des manières vraiment très très différentes en fait pour chacun de les défoncer. Et en soi, moi j'adore. Alors de mémoire, je pense que... Non. Pardon. Comment on fait pour parer? Yes, comme ça. Dans ce jeu, on joue beaucoup avec la parade, hein. Vous voyez, quand un ennemi s'apprête à t'attaquer, il y a une espèce d'éclair blanc. Entre toi et lui, enfin entre Sonic et lui. Et donc du coup, ça aide. Et ça, voilà, mécanisme de portail pour ouvrir les portails, donc les sous-niveaux là. Ils sont solides quand même, ninja. Ils sont solides. Mais... Et pourtant, enfin... Ça va être excessivement rare qu'on réussisse à battre un gardien aussi vite. Hein. Et... Ouais, merci. Bon, on a des rings. Ouais, on risque parfois d'être un peu en... Ah bon. En galère de ring, hein. Ça risque d'arriver. Porte ancienne a l'air fermée, fait tourner la statue devant elle pour avancer. Ah, bah encore. C'était très compliqué. C'est le début du jeu, de toute manière. On va récupérer un petit peu de cœur. Alors, ce sont... Les cœurs comme ça, ça s'appelle des jetons souvenirs, si je me souviens bien. Et pour progresser dans l'histoire, parfois ça va vraiment nous en demander beaucoup. Pour la première île, peut-être pas forcément. Mais après, pas mal. Vous voyez, là même, on peut revenir en arrière un petit peu. Choper d'autres rings. Je veux ça. Mais c'est vraiment plaisant, je trouve, de se déplacer dans ce jeu.
Course boucle. Parfait. Et ensuite, frénésie qui demande 3 points de compétence, j'en ai qu'un. Alors, la frénésie, c'est la course boucle, pardon, c'est ça. Je peux faire apparaître des rings avec en faisant ça. Et tu peux aussi infliger des dégâts aux ennemis avec cette compétence. Ouais. Bon. C02, donc ça c'est un défi donc pour la map. Et donc, règle d'or, hein, vraiment. Dès qu'on sait pas comment interagir avec un objet, c'est sûrement qu'on a oublié d'essayer la course boucle. C'est pour te forcer à tout explorer ça. Ah ouais, non mais il y a vraiment, vraiment plein d'endroits où explorer. En fait, le jeu... Ah, graines de défense. Même chose que les graines de puissance, on peut pas les utiliser tout de suite. Mais ça va venir. Et oui, je disais, enfin je voulais dire, pardon. Le jeu a été quand même pas mal critiqué, notamment au moment des annonces, hein, avant sa sortie, comme quoi il avait l'air extrêmement vide et compagnie. Mais bah déjà, je trouve que c'est assez faux, finalement, le jeu en main. Et surtout, en fait, ce serait vide si jamais c'était pas un jeu Sonic. Mais là, comme c'est un jeu Sonic, et que du coup, on va très vite. Ben, c'est comme si la map était beaucoup plus petite, en fait, tu vois. Et que tout ce qu'il y a à faire était beaucoup plus concentré. Tout va vite, quand même. Bah là, je pense que c'est assez compliqué pour se faire une idée tout de suite, mais... Ah, j'ai fait que des rings. Merde. Hop. Vous voyez ? Bon, après, c'est pas aussi bon que bourriner, hein, je trouve, mais bon. J'ai mon salon pour voir si des euros apparaissent. Alors, si tu fais ça, j'ai envie de voir une vidéo de toi en train de courir en rond dans ton salon. Un nouveau portail. Heureusement, ils disent pas dimension digitale. D'accord. Ah oui, pardon. D'ailleurs, tu fais pas mal de trucs quand même. Bah ouais, ouais. Mais après, tu vois, on est vraiment dans un chemin pour l'instant. On n'est pas encore dans un espace complètement ouvert. Hop. Ah merde, il m'en faut deux. J'ai pas assez. Boulos. Un seul mécanisme ne suffira. Faut aller affronter un autre gardien. Va t'emparer de celui d'une autre cible. Oh, le bel étron. Voilà, une autre sorte de gardien. Et là, notamment... On va être dans une manière totalement à part de le battre. Là, pour le coup, on dirait que c'est épineux, mais en fait, non, pas des masses. Le tout, c'est d'éviter l'espèce de... Merde. Le truc qui tourne autour, là. C'est ça qui fait mal. Oh non! Ah, fuck. Ah! Utilise le mécanisme
Est-ce que le jeu n'est pas trop fort? Au niveau des moments de combat, est-ce qu'on m'entend... Au-delà de m'entendre, est-ce qu'on m'entend sans effort, en fait? Donc, les doubleurs sont pas vraiment expressifs, effectivement. Surtout, le truc... Moi, ce qui m'avait choqué, c'était Tails qui fait... oh, du coup, on dirait qu'on est dans un truc... On dirait qu'il y a un champ de force, je sais pas quoi, alors qu'en fait, son avion est en train de tomber. Et il parle comme s'il était dans son labo, quoi. Son jeu, c'est plutôt bien équilibré. Ok, impeccable. Deuxième niveau. Bon, je passe pas ces cinématiques pour l'instant, mais... À terme, peut-être que j'en passerai, parce que bon, c'est toujours un peu la même chose. Et ça dure longtemps. Voilà, et pendant les temps de chargement, du coup, on a ce genre de truc. Les espèces de tutos. On peut courir sur les murs. Faut savoir. Bon, bref. Oh, je crois que c'est un des niveaux qui m'a fait le plus chier dans le contre-la-montre. Merde. Après, j'avoue que ça, c'est vraiment les musiques. Hop là. Ah, j'ai manqué une ring rouge. Merde. Hop. Ayupa, comment ça va? Ça y est, tu es libéré, délivré. J'étais pas si mal en vrai. Après, j'ai peut-être juste moi-même level up en tant que joueur sur le jeu, hein. Mais je m'attendais pas à être à... Pour moi, j'ai quand même fait quelques erreurs et je suis à 4 secondes et demie. Alors, j'essayais même pas forcément d'aller vite sur certains points. Une musique qui revient dans un Need for Speed. Ah bah oui. Bah, tous les trucs qui font genre vitesse, quoi. Voilà. Ah, je crois que je la vois. La dernière ring rouge. Non mais... t'as pas compris quelque chose, le jeu, là. Est-ce que vous pensez que je vais avoir le rang S de vitesse? Bon, on va commencer à... À s'entraîner sur la vitesse. Ah ! Merde ! Une minute 16. Allez, j'ai passé une excellente soirée, ça fait trop bien. Comment s'est passé le live sur Slay 3? On a eu quelques difficultés. Parce que j'ai affronté un boss. À un moment, je me suis fait, allez, une dernière mission. Et en fait, c'était un boss, et vraiment le boss, je crois, qui m'avait fait le plus chier dans le jeu. Thank you.
ça risque d'être un peu juste, hein. Faut que je descende en dessous de 55. Il y a du mieux, mais bon. C'est impossible en fait, il connaît pas le circuit par cœur. Ah, il faut connaître le circuit par cœur, ça c'est sûr. Non mais avoir le rang S en vitesse, de toute façon, tu fais très très rarement ça, dès la première run, hein. On va pas se mentir, Ah, mauvais. Ça, typiquement, perte de temps. Oh, la perte de temps. Oh, la bonne grosse perte de temps. Allez. Typiquement, ça, c'était pas forcément le plus judicieux parce que... le ressort fait pas mal perdre de temps, j'ai l'impression. J'ai bien envie de recommencer encore. Allez. C'est maintenant le moment où je fais que des conneries, tu sais. Bien. Ah, ok. Je suis... Non. J'étais plus rapide sur ma précédente run. J'ai déjà dépassé. Je suis à pas grand chose, hein. Mais je crois que je perds pas mal de temps sur le début du niveau. Ah. Là, je crois... On était bien. Sonic, arrête de faire l'artiste, s'il te plaît. Merci. Et il refait. Et le Kalten, il refait. Oh. Tu peux aller droit, s'il te plaît. Merci. Il y avait un peu de mur. Non! J'ai refait encore. Rien sur des manettes. Ok, Ayou, à tout de suite. Oh!
C'est ça que je voulais faire. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, mais n'empêche que on est pas trop mal. On est bien. Je sais pas si je suis toujours bien, mais... Non. Alors, je sais pas si c'est ça qui m'a fait perdre vraiment 3 secondes, mais à un moment j'ai perdu le réflexe de à un endroit clé en fait de dash. Bien sûr. J'ai vu ma vie défiler là devant mes yeux. Et merde, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Ici. Ah ! Putain, 55-17, t'es sérieux ? Ah, la fin des enfers ! On était pas mal, hein. Hop là. Et là, j'aimerais bien mieux maîtriser ce truc. Là, hop. Ah. Je veux réessayer. Oh, c'était pas terrible. Oh, c'était pas terrible. J'ai fait un truc... Je crois que c'est pas bon. Le truc, il est calculé pour que quand tu dashes... Non, j'avais dit que je voulais pas faire ça. À la fin, tu te prends les pics si tu dashes, quoi. Après, ce niveau j'ai réglé c'est... Ok, ça marche. Pas terrible. Dix secondes. Cinq secondes. Ah. J'ai l'impression que si on passe par le toit, c'est plus rapide.
Ok. Pour l'instant, j'arrive à faire ce que je veux. Ok. On est pas mal. Don't fuck it up. C'est bon. Ça y est, je suis heureux. J'ai passé tellement de temps sur ce niveau. J'ai passé tellement de... Enfin, quand j'ai... Sur ma première run, j'ai passé tellement de temps sur ce jeu. Sur ce niveau, du coup. Sur le rang S de ce niveau. Si on termine les 3 clés d'unité supplémentaires obtenues, donc du coup ça nous en fait 7. Et donc là du coup j'ai je peux récupérer une première émeraude du chaos. Et je peux récupérer une deuxième émeraude du chaos. Et je peux récupérer une troisième émeraude du chaos. Rache, je jure. Je crois qu'on arrive bientôt dans la grande zone. Vous voyez, maintenant on a les trois émeraudes du chaos qui sont visibles. Eh bien. Je me souviens qu'ici j'avais eu du mal à monter. Ah, ça c'est les cocos ou les cocos, je sais pas. En gros, faut les collecter et les ramener à leur doyen. Hop. Et ça donne soit de la vitesse. Soit ça augmente aussi notre limite max de ring. Je choisis toujours vitesse parce que je pense que c'est pas terrible sinon. Enfin, augmenter le nombre max de cœur, sachant que tu as des bonus en fait quand tu atteins ton max de cœur. Du coup, c'est pas très. Je crois pas que ce soit une bonne idée en fait, tout simplement. Hop. Nouveau niveau, nouveau portail. Ah oui, présentation surtout de la première île. A partir d'ici, Sonic est libre d'explorer l'île et de rassembler des Chaos Emeralds. S'il ne sait pas où aller, essaie de résoudre des énigmes, etc. etc. On a ici le C3. Ça, c'était bien, Caldel. Non? Ah, ok, c'est en les attaquant. Voilà. Graines de défense et un peu plus de map. Avec, on voit là dans un coin, un autre...
un autre défi. Mystère et rail ancien, ça c'est sympa. Au fur et à mesure qu'on débloque de la map, il y a des rails en fait qui apparaissent sur toute l'île pour nous faire gagner du temps de déplacement. Voilà. Typiquement, là, on a un rail qui nous permet d'aller... Hop. Caméra fixe, oui. Là, ça nous emmène complètement en arrière. Et vous voyez, ça y était pas ce rail avant. Et ça nous emmène au C02. Et au fur et à mesure, on aura un réseau de rails comme ça qui va s'étoffer au fur et à mesure. C'est quelque chose d'assez satisfaisant, je trouve. Alors, là... Il me faut combien de trucs? Il m'en faut qu'un. Donc j'ai qu'un gardien à battre. Et ça tombe plutôt bien parce que, figurez-vous que ceci s'en est un. Merde. Ah! J'ai pas du bon côté. Merde. Bon, ben... Allez. Oh, il y en a un autre ici. C04. Oh, attends, je le fais. Ça, faut faire tout en un seul chemin. Hein. Énigme relativement classique. Je suis en train de complètement mépriser le boss, hein, on est d'accord. Enfin, le gardien. Et on a encore... On a même un autre bout de... Le bout d'un autre défi à... Tout discret. Alors. Asura. Mais non. Voilà. Ah. Ok. Bien sûr, le troisième bras, c'est le plus galère. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Hop. Parce que du coup, les rouges, ça repousse. Hein. Les bleus accélèrent et les rouges repoussent. Moi qui étais tout content. Ah! Bon. Tu as réussi sous les lignes? Oui! Oui. Ah bah! Il m'a donné un truc. Ils m'ont donné des trucs de portail! Des mécanismes de portail. C'est bon. J'avais fait 54 secondes. Il fallait descendre en dessous des 55 secondes et j'avais fait 54-17, je crois. Bah, de toute façon, là, va y en avoir un autre. Hein. Coucou Zielki, comment ça va? Bienvenue à toi. Tu étais curieux sur Sonic Frontiers? Et putain, pour moi d'aller dodo, bonne nuit Kawa, bonne nuit à toi et repose-toi bien. Complètement cassé. Allez, c'est parti. Ah.
Moi, je pense que la prochaine fois que je vais ressortir Mario Kart, en tout cas le 8 Deluxe, je pense que ce sera quand la quatrième vague arrivera, en vrai. Ouais, ça a l'air d'être un niveau majoritairement 2D. Ouais, je crois que je me souviens de lui. Nick. Ouais. Pareil, mais je jouerai sûrement dans mon coin. Oui, bon, ouais, c'était pas obligé, mais bon. Hop là! Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je vais réussir à avoir la quatrième pièce? Les cinq pièces, je les ai. L'arrivée était juste là. J'ai l'impression que pour une première run, on se l'est pas fait. Une minute, ça m'a l'air entièrement faisable en vrai. Hein. Pour le rang S. Secondes, mais je pense que ça sera faisable de ouf. Ah non, le truc est juste en dessous. Voilà. Bon, bah franchement, ce niveau-là, ça aura été impeccable. Merci pour le GG, Ayou. Bon. Par contre, moi, c'est surtout le... Je veux affronter au moins un squid. Bon, on va passer... c'est à chaque fois la même chose, c'est bon. 4 clés d'unité. Une unité a été révélée, machin. Les objectifs sont très rapides à remplir dans sur cette île. C'est un peu l'île tuto. Bon, c'est dommage d'avoir une île tuto A. Alors que, bah, finalement, il y a assez peu d'îles dans le jeu. Enfin, il y en a 4, plus une un peu particulière, on va dire. Il semble que je sois dans une dimension numérique. J'ai utilisé des constructions semblables pour mes propres systèmes, mais pas si avancées. Note à moi-même, ne jamais l'avouer à personne. Impossible de quantifier le nombre de données emmagasinées. Mais ça ne m'empêchera pas d'essayer. Chaque portail contient sa propre collection de missions. Oui, bon, ça, c'est à chaque fois les mêmes. Les seules choses... On a toujours le contre-la-montre, c'est juste le temps qui change. On a le nombre de rings à collecter et c'est tout ce qui varie. J'ai plus de ring par contre. Attends, il y a un truc pas loin. Voilà. Donc. Là. Sur chaque île, en fait, il y a un perso avec lequel on va interagir tout du long. Il y a quelqu'un ? À l'aide ! Attends. Peut-être que bidouiller.
Voilà. Et donc, on va devoir parler à Amy plusieurs fois au cours de l'exploration de l'île. Et ces jetons souvenirs, du coup, c'est ça qui est demandé. Pour parler à Amy. Après, qu'est-ce que ça fait à la fin quand on a fini de parler à Amy, je sais plus. Je crois que ça débloque peut-être l'accès au boss de la zone une fois que tu as fait toutes tes interactions avec Amy. Je suis même pas sûr. Bonne nuit à Yupa, merci d'être passé. Gros bisous. Pas bête, je vais patrouiller la zone, on se retrouve plus tard, ok? Ok, sois prudent. Prudent? Et le fun dans tout ça? Sûr. Écrasé. Ah oui, ça. Fais bon usage de cette technique. Oui, merci. Alors, la suite de l'aventure, c'est par là. Oh, je vais pas ramasser ça. Il y a même quelques cocos par là. Alors, ces ennemis-là, je ne les supporte pas, je ne les affronterai pas. Enfin, j'ai pas envie de les affronter. Ah! Un autre défi. Donc ça, c'est le C6, on n'a pas vu le C5 encore. Ok. Ah. On a vu un autre niveau. Ok. Vous voyez, typiquement, ici, on voit un autre défi. On voit la zone qu'il débloque aussi, tiens. Là, il y en a un autre ici. Alors moi, le défi, je suis parti de là, hein, au niveau du défi déplacement. Là, on a le C7. Oh, ça c'est un peu bidon pour le coup. Je trouve. Voilà, c'est juste ça. Ah, il est le squid. Oh, Nick Time, je suis en train de le rater. Est-ce que je vais avoir le temps d'y aller? Ça me paraît short, hein. Donc ça, c'est un autre gardien. Je veux l'affronter. On dirait des maisons. Je me demande qui y vivait. Mais on s'en branle. Attends. Tant qu'il fait nuit, on en profite parce que ces défis-là, il y a des défis qu'on peut faire que la nuit. Ah, il y en a d'autres. Non mais... Ah. Voilà. Donc c'est assez relou de devoir attendre la nuit pour faire certains défis. Je trouve. Ouais, bah avec tout ça, j'ai perdu le squid, quoi.
Hop. Bon allez. Tant qu'on y est. Pourquoi pas ? Tracer une bite. Oui, oui, ça fait partie des jeux où on peut dessiner une bite, on est d'accord. Hein ? Ah ! Je crois savoir ce qui va se passer. Ah bah, Yupa est encore là ? Ah, Yupa était encore là juste pour me faire dessiner une bite. Donc oui, je vous présente le premier titan, alias le boss de la première île. La tablette pour m'endormir. Ah, d'accord. J'imagine qu'il s'agit d'un des titans qui garde Emmy. J'ai plus son nom à ce perso. Toi, pars sur le champ. Avec Sia, je l'appelais Enzo. Tu sors. Parce que c'est un. Ne t'approche pas du titan. Désolé, parce que c'est un gosse. Comme tous les gosses s'appellent Enzo. Ça marche pas très bien. Oh, le baseball quoi. J'arrive pour le dessin. Après la cinématique, hein, bien sûr. Je vais pas pouvoir l'éliminer avec la méthode habituelle. Il me faut les Chaos Emeralds. Et aussi un peu de chance. Ça a bougé, ça. Comment se fait-ce ? Voilà. Alors. Oh là. Wouah, ok, je la refais. Ah, oh, pourquoi il fait un truc incurvé ensuite? Non. Alors, on dirait pas une bise, on dirait un chien. Oh. Bon, c'était un mix entre une bite et une girafe, mais ça fonctionne. Ah, là, je peux pas l'avoir encore. Ça, c'est encore un truc à avoir de nuit. Donc, tant qu'on est de nuit, on en profite. Oh! J'aimerais bien avoir une caméra un peu plus éloignée.
Hein? Ah. Où est le truc suivant? Ah, là-bas. Ok. Profitons-en. J'ai vu qu'il y avait un jeton souvenir ici. Hop là. Il y a encore un truc ici. Ah! En plus, je vois quel est le chemin à faire, mais c'est juste que je... Je sais pas où je veux avec Sonic. Bon, alors, le squid. Oh, ça, je prends aussi. Les pièces violettes, c'est pour la pêche. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Encore un défi déplacement? Tranquille. Courir sur... Oui, on peut courir sur les murs de cette couleur. Enfin, de cet aspect. C'est pas vraiment une couleur. Hop. Je jetons souvenir pour l'Emmy en haut de la tour. Niveau maniabilité, c'est comment? C'est... disons... Faut s'y faire. C'est pas dégueu. Après, je mentirais si je dirais que... Si je disais que c'était... c'était absolument parfait. Ça reste du Sonic avec du coup des... Des contrôles qui te font aller dans les choux dès que tu fais un centimètre à droite. Mais sinon, accepter ça, pas de problème. Alors, cette fois... Non, je veux aller là, moi. Ah, non! Ouais, je sais pas si ça se voit quand même au niveau du putain de stream. Mais j'arrive à faire globalement ce que je veux quand même, quoi. Voilà, regarde. Un gardien à tentacules. On va pas se mentir. Combattre ce gardien-là, c'est assez jouissif. Avec la musique en plus.
là. Ah, ta maman. Ah non, merde. Attends. Quand je dis que il faut vraiment beaucoup jouer avec les parades. Bon, je n'ai plus que 5 rings. Oui. Bon, faut jouer avec le turbo, hein, parce que. Sinon, c'est compliqué, on va pas se mentir. C'est bon. En fait, si jamais on met pas le turbo, le truc avance plus vite que nous et donc finalement bah, la route se désagrège sous nos pieds au bout d'un moment. Et c'est avec le turbo que on avance à bonne allure. Bon, ça c'est le truc bidon. Il suffit de courir à droite ou à gauche. Il y a aucun challenge dans ce défi là, on va pas se mentir. Alors. Ah, je peux avoir une nouvelle compétence. Ah oui, la frénésie. Donc c'est du combo. Voilà. Sonic et le défi de la roue de hamster. C'est ça, tu vois. Ok, ça il va falloir que je les donne au bout d'un moment aussi. Ça c'est des ennemis, on va plus chercher trop la merde. Ça c'est des ennemis. Ça c'est des ennemis un petit peu plus costauds que la moyenne. Mais qui sont pas. Ça sert pas à grand chose de les affronter. Comme cela. Ces ennemis-là, si t'as le malheur de te prendre un coup, ils se régènent entièrement leur vie. C'est passablement insupportable. Allons-y. Non ? Ah, il m'en faut 5 du coup. Il m'en faut un de plus. J'imagine. À moins que je l'ai déjà fait. Attends. Je suis où ? Map. Allô, map. Non. Non, je l'ai pas fait, mais. Ah ! Pièce vieux, la tour la pêche ! Ah, si, c'est bon. Je fasse pipi aussi. Encore. Après ce niveau. Ça va être quoi le quatrième niveau que je fais, je crois. Portail. Sachant qu'il y en a, je crois, 6 à peu près par île. Donc on en aura fait quand même une bonne partie. Hop là, la petite. Oups. ring rouge. Ça, je me souviens de. Je regarde le stream d'Orty, hein, enfin les VOD d'Orty en ce moment sur Sonic Frontiers.
Et je me souvenais du coup de celle-là. Ça, je pense que niveau vitesse, c'est pas trop ouf. D'affronter, enfin de battre ces ennemis-là. Je l'ai one shot. Pourtant il y a des trucs où j'ai... Enfin j'ai pris mon temps. Oh putain c'est... Putain ça y est je suis ce mec insupportable qui fait oh non mais en plus pour moi. J'ai tout réussi du premier coup mais en plus pour moi c'était tranquille. Ok, bon bah c'était rondement mené. Curieux de voir un speedrun de ce jeu. Oh, en vrai, c'est sorti il y a un moment, hein, donc ça doit exister. Ah oui, mais par contre, maintenant, je remonte comment, moi? Ah! Mais non! Je me demande en combien de temps il se fait, remarque. Mais ça doit être tellement casse-gueule un let's play d'un Sonic 3D, tellement... Bon, les contrôles, c'est compliqué, quoi. Ah putain, mais il était juste là, lui. Genre, il y avait une émeraude du chaos, j'ai oublié de la récupérer. Non, mais à l'aise, quoi. Ah oui, je voulais aller aux toilettes, moi, à la base. Je vais faire une pause ici. Et je vous reprends tout de suite après. Je vous laisse la cinématique. Voilà. Pas du tout, du coup. Bon, je vous dis à tout de suite.
Hop. Et bonne nuit, Zielki. Ciao, ciao. Hop là. Alors, on est parti. Je sais pas où aller. On va où? Je dévoilerai bien un peu plus de map en vrai. Non, on me dit quoi rassemble les jetons souvenirs d'Amy. Je peux pas encore parler à Amy et c'est a priori la prochaine chose qu'on doit faire. Ouais. Ok, si on longe la côte, on devrait tomber sur un autre défi. Ah, il y a un truc là-haut. Parce que ça me semble bizarre quand même. Ah, le coco doyen. Ok, bah écoute. Alors, lui, voilà, il récupère toutes ces petites créatures là. Voilà, c'est un mode sur les petits. J'ai passé les dialogues, pardon, mais voilà, c'est un mode sur les petits, mais j'en ai perdu tellement au fil du temps. Peux-tu me les retrouver? Avec plaisir, papy. Si j'en vois pendant que j'aide mes amis, je te les ramène. Vrai, ne t'inquiète pas, je te réponds, comprends ça pour tes efforts. Voyons, enfin, je peux faire deux choses pour toi. Améliorer ta vitesse ou augmenter ta quantité maximum de rings. Tu en as déjà jamais beaucoup sain et sauf. On commence. Par quoi allons-nous commencer? Améliorer la vitesse. Ah, je crois qu'il faut le faire un par un. Ce qui est bizarre parce que après il y a le coco ermite qui permet de prendre les graines de puissance. Les graines de puissance et les graines de défense. Et lui il peut faire tout d'un bloc hein. Moi je voulais essayer d'arriver là-dessus là. Parce que à mon avis en fait c'est là-haut. Non il se passe rien quoi. Il doit y avoir un interrupteur là-haut en fait à actionner. Pas vraiment ça que je voulais faire. En fait. Aïe.
Ah. Je sais pas comment esquiver quand il revient. Ah. Trop bien. D'accord. Ah, je sais plus comment on fait ici. Moi, je veux bien faire le ça là, mais encore faut-il que ça serve à quelque chose en fait. Ah, attends, voir, attends. Je me pose une question. Il y a une espèce de cercle d'herbe bizarre. Je me demande si... Putain, c'était ça. Faut faire éclore les fleurs. Je me suis pris la tête pour rien, en fait. Hop. Bah... Mes enfants. Mes enfants. Une clé. C'est ça, t'es là. Ça m'a pas l'air mal. Ouais, sauf que ça ne va pas là où je veux. Ok. Je ferais bien le défi à un autre moment. Attends, là, il y a un truc qui va pas... Ah, si, je vois comment on peut faire. Ah, Coco Ermite. Bah, tu tombes bien. Nous rencontrons enfin Sonic the Hedgehog. On se connaît. Tout comme les cocos, tu as touché le rêve numérique. Contrairement à beaucoup, je sais l'écouter et entendre les secrets qu'il révèle. Mais pour bien l'entendre, je dois m'isoler. On peut dire que je suis un ermite, mais c'est la vie que j'ai choisie. As-tu trouvé des graines sur ton chemin? Tu veux dire ces trucs que les robots laissent parfois derrière eux? Absolument, je peux en extraire la puissance qu'elles contiennent et te la transmettre. Voilà. Bon, j'en ai pas ramassé beaucoup pour l'instant. Quand même pas mal. Du coup, j'ai 7 en défense et 10 en attaque maintenant. Amène-moi des graines et je te donnerai davantage de puissance en retour. Les graines de puissance te permettront de frapper plus fort, les graines de défense te rendront plus résistant. C'est trop cool, et toi aussi, machin. L'ermite, ce n'est que ce qui arrive que lorsqu'on écoute les murmures du rêve numérique. Admettons que ça ait du sens. On dirait que tu as rencontré mon vieux flemmard de frère. Il a éveillé une grande puissance en toi, mais il reste un plus grand potentiel qui dort encore en toi. Je suis bien plus apte à équilibrer cette énergie, qu'en dis-tu? Je ne refuse jamais un coup de main. J'attends et attends. Écoute depuis si longtemps. Que désires-tu? Que puis-je faire d'autre pour toi? Je suis heureux de pouvoir t'aider. Ah oui, c'est lui qui peut échanger. Alors, je sais pas pourquoi c'est lui qui peut échanger et pas le doyen. Mais il peut nous faire échanger un nombre maximum de rings contre de la vitesse ou vice versa.
Est-ce que ça va être suffisant? Ouais, je pense. Non. Voilà. Tu vois, c'est juste au-dessus du vide. Peut-être une idée en fait. Il est directement inspiré en fait de par le fait qu'il y a un bumper en fait là-bas. Si jamais on fait ça, puis ça, puis ça. C'est pas mal hein. Oh, il va falloir que je revienne ici avec plus de jetons souvenirs. Je suis fou de joie. C'était quoi ça? Ah. On va plus être obligé de passer par ça. 1-7. Attends, j'ai pas tout récupéré ici. Un 7. Mais attends, ça risque pas d'être... Ça risque d'être un peu tôt pour ça. Si c'est ce que je pense. C'est pas du tout ce que je pense. Ok. Je pensais à la pêche, oui. Ouh. Merde. C'est quoi ça? Wow. On se calme. Hop là, il y a une ring ici. Rouge. Pour l'instant j'ai pas loupé de ring rouge. Pour l'instant. Ah. À tous les coups j'ai dû en louper une. Bon bah top. Voilà. Ta gueule. Hop. Du coup celle-ci elle est réapparue. Ah oui. Aussi qu'il devait certainement y avoir un truc ici. C'était quoi ça? Ah, c'était Osef en fait. Oh la poisse. Bon, 21, c'est pas ouf. Ouais, c'est 50 rings, hein, remarque le truc. 1 minute 25. Franchement, 1 minute 25, ça me paraît relativement facilement faisable. J'ai quand même beaucoup pris mon temps, hein, on va pas se mentir. J'ai tenté directement de faire le.
le speedrun et puis en espérant que ça me débloque les rings de soi-même. Hein. Hop là! Alors, par contre, quand je dis que c'est relativement facilement faisable, le truc temps, c'est... Hein? Mettez-y un peu du vôtre, s'il vous plaît. Bon, 1 minute 25, il me reste encore pas mal de temps, et je suis, j'estimerais... non. Peut-être vers les quoi? Non! Ouais, ok, là, c'est mort. Je pense que j'étais vers les deux tiers du niveau, voire plus. Oui, merci. Hop là. Mais putain! What? Oh non, j'ai pas les rings. Avec toutes les rings qu'il y a sur le chemin, je les ai pas eu. Oh, je te jure. La poisse. Allez. C'est un problème ces piques, hein? Bon, on essaie de pas prendre de... de dégâts maintenant. Voilà. Hop, 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 hop. C'était assez large hein, pour le coup, 1 minute 07 au lieu d'une minute 25. On va pas se mentir. Alors. Ça change vraiment. Moi je veux bien faire une esquive, mais. Ah d'accord. Je pensais qu'il fallait que le truc m'attaque. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on est loin du niveau 1-2 là, qui est abusé. Moi du coup, j'ai plein de clés. Mais maintenant, je crois même que là, j'en ai plus qu'il m'en faut. Typiquement. Hein? Ah oui, j'avais pas fait lui. Le C18. De mémoire, il y en a 25 sur cette île. On va finir ce live, j'aurais dévoilé toute la carte déjà. Bon, j'aurais pas fini. je la finis pas. Je crois que je vais faire
2 heures de live sur Sonic Frontiers. Clairement, je pense pas que ce soit gérable de terminer cette île, ni même sans la terminer à 100%. Pas gérable de terminer cette île ce soir. Je crois qu'il faut bien entre 3 et 4 heures pour faire cette île. Pour faire cette île. Et ensuite, bien sûr, les îles suivantes sont encore plus longues. Parce que là, en plus, j'ai dévoilé pratiquement rien de Amy. Hein. Il y a pas mal de souvenirs en fait à débloquer. Donc à chaque fois des dialogues et tout, parfois des mini-jeux. Un peu bidon hein, les mini-jeux, on se ment pas. Ça c'est vraiment un point que j'ai pas aimé. Il en reste un. Oh, il est là lui. C'en est un autre, hein. C'est pas le même squid qu'on a vaincu. Ouais, je suis là. J'adore affronter ce mob. Putain, mob de merde. Hop là. Allez. Ah, sérieusement. Laisse-toi approcher. C'est bon. Yes. En une fois, ça devrait être gérable. Sachant que je pense qu'on a clairement déjà assez de portails. Hein. J'ai un truc au niveau des compétences. Figure aérienne, Sonic Boom. Maintenez ZL pendant un combo. Après, c'est des trucs que je crois que j'utilise pratiquement jamais. Non, j'avais pas besoin, merci. Alors, des trucs à faire. Oh, le beau gisement de souvenirs d'Amy. Oh oh. Alors, moi je veux bien. Mais, ouh, bravo, Kalten.
J'ai pas vu qu'il y avait pas de pont. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, donc. On est un petit peu de réserve quand même. Secondes, ça va. Ah. Le même, hop là, les petits cocos. Oh putain, le PTSD de Ocarina of Time qui revient. Le pont du village. Du village Kokiri. Non, mais au secours. Hop là, j'avais vu que... Ouais, il y avait un truc ici. Qu'est-ce que... Je me souviens pas. Ah, le... Le basket. GG. Re-GG. Voilà. Et il y avait un autre niveau. Jetons nécessaire 55. Ça, typiquement, ça fait partie du scénario de l'île. Et bah, il faut avancer dans les interactions avec Amy pour ça. Le problème, c'est vrai que les interactions avec Amy, enfin, les... pas les interactions avec Amy, mais les... Ouais. Oui, j'ai compris. Justement, je veux l'affronter, en fait. Mais laisse-moi l'affronter aussi! Je vais finir par savoir que c'est une tour. Mais non. Voilà, moi c'est ça que j'apprécie après. Hein? Ah putain, je sais où ça mène. C'est vrai qu'on l'a pas encore récupéré, elle. La course qui m'a complètement négligé là. La course murale. Non, je vais plutôt faire de la marche murale aujourd'hui. On va faire l'escalade plutôt. Mais... Arrête d'aller vers le haut. Mais je te demande pas d'aller vers le haut, je te demande d'aller vers le côté, Sonic. Allez. Compliqué, hein?
Oh. Hop là. Du loot, du loot, du loot, du loot. Yes. Hop. Est-ce que va? Ok. Ça, je pense qu'on est censé vraiment les faire beaucoup plus lentement que les souvenirs d'Amy, mais bon. Ça nous en fait 4, hein. Et voilà, il y a quand même... En fait, il y a beaucoup de collectibles qu'on peut récupérer dans ce jeu. Alors, je me souviens de ça, et je crois qu'on va pas y aller maintenant. Oh. Ah. Ah merde. Je pensais que ça tombait avec moi ce truc. Non, c'est pas grave. C'est 25. Oh, ça c'est nul. Tout aussi intéressant que la roue, mais c'est plus galère à faire. Ouais, voilà, c'est le coin de pêche. La coin de pêche, on fera en dernier, je pense, le temps d'avoir pas mal de pièces. Bien sûr, je veux remplir le fiche d'ex au complet. Et là, bon. C'est mignon, on dirait qu'ils sont abrités. Pas des amis, pas de la pluie, du coup. Ce qui est un peu dommage. Merde. Regarde un peu ce que te fait Kalten, s'il te plaît. Tiens, tu peux augmenter ma vitesse, STP. Vaut mieux, à chaque fois qu'on le croise, vaut mieux lui parler, parce que sinon, si jamais on... Des fois, on skip un petit peu. On va devoir faire toutes les améliorations d'un coup et ça va être vraiment relou. Déjà la 3 augmentations, je trouve ça un peu relou. Rassemble les jetons souvenirs d'amis. C'est vrai qu'on a quand même un indicateur d'objectif, mais je sais pas combien il me faut de jetons pour lui parler. On va se calmer un peu. Je peux peut-être me faire un objectif compléter la carte pour ce soir. En vrai. Et la fois suivante, honnêtement, la fois suivante, on finit à 100% là. Autant vraiment pour ce soir, je suis pas sûr de faire tout à 100%, hein, on va pas se mentir. Ça nous demande pas mal de cinématiques et compagnie, machin. Ah. Est-ce qu'on l'affronte, lui ?
Non. Faut que j'aille par là-bas. Parle à Amy, je demande pas mieux moi. Elle est où? Bah a priori elle est pas très loin. Ah bah c'est celle-ci. Ah oui, Amy et les cocos. Cette Coco dit qu'elle doit trouver son grand amour avant qu'il soit trop tard. Elle était trop timide pour avouer ses sentiments, mais si elle ne dit rien maintenant, elle n'en aura peut-être jamais l'occasion. Tu as compris tout ça? C'est comme si la dimension dans laquelle je suis faisait la traduction. C'est bizarre, mais ça semble naturel. T'as toujours eu un don pour ces choses-là. Je vais pas te contredire. Tu n'as pas à t'inquiéter. On va retrouver ton amour perdu. À mon avis, on a des choses plus urgentes à régler. Mais encore une fois, je vais pas te contredire. Rassemble les jetons souvenirs d'amis et allez. Je vais essayer de contourner la Soura. Voilà, là la fois suivante c'est ici. Il m'en faut 5. Bah, ça se fera. Je vais continuer à compléter la map. Par ici, il semble qu'il y ait des trucs. Attends, voir. Bon bah, on peut reparler Amy tout de suite, en fait. Oui, 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 on a compris. Je sais pas me décider entre... Ils sont mignons ou ils sont dégueux. Cette mère chagrinée dit qu'elle a perdu ses enfants. Tu crois pouvoir les ramener ici? C'est comme si c'était fait. Tranquille. Guide les cocos jusqu'à leur mère en évitant les bombes. Si tu la connais, si tu... Je me souviens de ça. Putain, quelle idée d'avoir autant de gosses, sérieusement. J'aime beaucoup le sprite d'Evie. Qui est en mode... bah, c'est la... L'ancienne tête, du coup, de... De Sonic. Putain, elle a 50 gosses, la mère Coco, t'es sérieux? Putain, les brebis dans Twilight Princess, quoi. 5e énigme du chaos. J'aime bien comment les émeraudes du chaos, c'est censé être un truc ultra mystique, mystérieux, très classe, extrêmement rare. Tu la chopes et tu fais... Ouh.
Ah, c'est son préféré. Ouais, ça c'est... Il y a beaucoup de choses tristes hein, dans Sonic Frontiers. Sonic, elle fait comme si rien n'était arrivé. Est-ce qu'on sait au moins ce qui s'est passé? Non, mais j'ai ressenti une sorte de conclusion, de réconfort. Bizarre. Bon, continuons. J'aimerais bien partir d'ici le plus tôt possible. Ça me va. Rassemble les jetons souvenirs d'amis. Alors attends. Est-ce que ça se voit que j'ai du mal à raccrocher sur ce jeu? C'est pas dans le coin qu'il y avait. Ah si. Oh non, pas ça. Incroyable. Allez, on va voir combien de jetons il faut pour Amy. Wouh ! Bien, je fais pile poil ce que j'aime pas, de manière générale, à savoir juste suivre un marqueur sur l'écran. Il m'en faut que 3 ? Oh, ça devrait être faisable assez rapidement. Donc j'ai encore des bouts de map à trouver. Mais ici, on a ça. Ah ça, je crois que c'est un défi. C'est le les colonnes qu'on avait vues tout à l'heure. Alors, repartons vers le nord. Ouais. Ah, C13, il y a absolument rien en C13, dis donc. Ah si, c'est ça. Bah. Ah. On restait un certain temps sur le bouton. Autant pour moi. Là. Ah, un ninja. C'est le même gardien que au début. Certes. Coucou Saskia, merci beaucoup pour ton raid. Comment ça va? Non, je veux pas viser lui. Hello. J'espère que toi et tes raiders vont... Enfin, aller bien plutôt. Parlons français s'il vous plaît. Merde. Je me suis trompé. Oui, j'ai toujours pas récupéré de jetons, moi. Et coucou, Yupsi. Comment ça va? Attends. Hop là. Hop. Tu permets, je regardais un truc. Oh. Bon, par... Non, pas par là-bas. Attends, c'est où que je dois aller maintenant?
Ah bah tout droit. Tu as loupé du poutrage. Ah. C'était Mario Kart, c'est ça? Hop. Ah, le basket, on adore. Un peu fatigué de sommeil, mais he's okay. Ah, nice. Et y a Zielki aussi qui était passé tout à l'heure, qui avait joué avec vous, je crois. Si je dis pas de conneries. Parce que du coup, vous étiez avec... avec Mother, c'est ça? Oui, voilà, MK8 avec Mother et Saskia. Ouais, moi, comme je disais, je pense que Mario Kart, je vais attendre je vais attendre que la vague carte sorte, hein. Que la vague 4 sorte. Sinon, j'aimerais bien essayer de faire un multi, mais sur un ancien. Avec le Nintendo Online, j'essaierais bien de faire un stream multi, mais sur un ancien Mario Kart. Elle finit premier en détruisant Mother. Ah! Genre maintenant qu'il y a l'opus Game Boy qui est dispo. Bon ben j'ai envie de tâter de l'épisode Game Boy quoi. C'est quand même avec celui-ci que j'ai commencé Mario Kart pour ma part. Bah. Mais j'avais réussi. Et on peut faire comme ça aussi. Et j'ai pas encore vu en entier Nintendo, mais j'ai bien vu Fantasy Life et Ghost Trick annoncé sur ce. Tu as bien vu Fantasy Life High. Donc ça serait un nouveau Fantasy Life. Et réédition de Ghost Trick sur Switch. Non, il y avait du très très bon hein, dans le Nintendo Direct. On peut en parler si jamais il y en a qui l'ont vu aussi, on peut en parler deux secondes. Hein. Pas deux secondes, même plus que deux secondes, parce que franchement, il y a matière de parler plus que deux secondes dans ce Nintendo Direct. Nintendo, prenez mes sous sur plein de trucs, hein, concrètement. Ah, moi, j'étais... J'étais in love. Par contre, je suis où? Ah putain, je suis loin. Ah! Mais mange tes morts? Ah, parfait. On peut parler à Amy. Qui est... à 500 mètres. Oui, je voulais prendre le tremplin. Ah, putain, l'arbre. Faut que je vois du début sans m'endormir dessus cette fois. Ah oui. D'autant que moi, c'était surtout la fin qui était sans sas. Vraiment. Je me dirais sur la scène de demain, dans le volet, hein, et j'avais pas capté qu'il y avait un Nintendo Direct. Je suis arrivé à la fin sur l'affichage Fantasy Life et j'ai tenté de regarder un différé. Je piquais après Ghost Trick. D'accord, ah oui, parce que Ghost Trick il est arrivé dans les débuts en plus, je crois. Je filme Raid McQueen. Bonne nuit, Saskia, merci encore pour le raid. Gros bisous à toi. Bon repos. Ignorance et désespérante. Qui
J'ai l'impression que finalement je vais la faire, hein, cette île. À part une peste, aucune idée. Il va y avoir le... non, elle est à 400 mètres. Il va y avoir le... oui, alors par contre, tu m'emmènes pas au bon endroit. L'énigme avec les colonnes, là. Qui était super galère, d'ailleurs. À chaque fois, en fait, ça me donne envie de continuer, parce que 5, c'est pas grand-chose, 5. En vrai, il reste plus énormément de choses à faire pour terminer Chronos Island. Alors, il y a un truc ici. Il y a un truc là. Ouais, ça me redonne encore des cœurs, quoi. Je vais jamais la finir, cette map, c'est pas possible. Hop. Là, ça y est, je suis en train de farmer tous les... toutes les cinématiques avec Amy. Franchement, c'est le truc que... parmi tout ce qu'il y a à faire sur l'île, c'est le truc qui me plaît le moins. Que son bien-aimé était stationné à l'extrémité de la ferme. Mais on est dans le champ. J'ai pas l'impression qu'il cultive grand-chose ici. Peut-être que tu pourrais utiliser ta toute nouvelle technique pour tout débroussailler. Ah putain, c'est vrai, il y a ça. Attention aux abeilles, putain. Faut désherber. Ah, le jardinage. Aïe. Sérieusement. Quoi? Oui, alors par contre, les guêpes, on va se calmer deux secondes. Faire des petits trucs éventuellement, non? Oh, là, il y a... y a matière à. Bah. Ah, à tous les coups, il doit falloir impérativement faire avec ça. Voilà. Et donc là, c'est notre sixième. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire aussi les cinématiques avec Amy, c'est que on a deux émeraudes du chaos à chaque fois qui sont à débloquer avec elle. Oui, apparemment très fertile, mais maintenant... Ouais, ça reste vert. Vert. J'ai déjà vu des zones repoussées après les dégâts causés par Dr. Eggman.
Une chose a ravagé cette terre. Elle se remet à peine. Alors on doit s'assurer qu'elle ait le temps de récupérer. Oui. Ah, petite cinématique, vu que j'en ai... Ça doit être parce que j'ai... Les 6 éléments du chaos, je suppose. Moyen pour me faire sortir d'ici. J'évalue toutes les options sans danger. Bon travail, Sage. Sage, c'est ça. Docteur. Ma portée de contrôle grandit. Mais je ne peux encore contrôler que quelques reliques des ancêtres à la fois. C'est tout à ton honneur. Mais que dirais-tu de me sortir de cette dimension numérique ? J'ai analysé 1775 simulations. Aucun scénario pour te faire sortir du cyberespace n'est sans danger. Révoltant. Continue de chercher. 1 060 000. Mais ta sécurité est ma priorité. Bref. Oui. Il m'en faut combien ? Attends. Déjà. Bon, j'en ai marre. Hein ? De à chaque fois dire que je vais compléter la la map à l'ouest. À l'est, pardon. Et finalement jamais le faire. Je vais ouvrir la carte, merci. Voilà, il me reste encore ça hein, à dévoiler. Et je le fais jamais. Donc arrivé à un moment, ça suffit. J'aime beaucoup quand même cette sensation où tu te dis en fait, mais non. Où tu te dis, les habitudes de Sonic, ça doit vraiment être comme ça, en fait. Le fait de courir et tout. Ah, ça, ça me plaisait bien. Oui, non, c'est... Ah attends, il n'y avait pas un truc comme ça? C09. On l'avait pas faite encore celle-là. J'ai fait tous les portails ou pas? En tout cas, pour ceux qui sont affichés sur la map, j'ai l'impression que oui. Ah non. Non, pas celui-là. Et pas celui-là non plus. En fait, il y en a plusieurs, j'ai pas fait. Attends. Est-ce que la map peut s'afficher, s'il vous plaît? Non? Bon, bah, tant pis. Ah. Ah bah on peut le faire elle. Oui. Comment tu te sens, c'est des trucs secondaires quoi, en gros. Fantôme. Honnêtement, c'est pas si différent depuis que tu m'as éclairci l'esprit. Peut-être un peu détaché. Tu as déjà flotté dans un rêve, en te sentant plus léger que l'air? C'est comme ça que je me sens, là. J'aimerais seulement atterrir et me sentir de nouveau complète. Ah,
tiens bon, Amy. Je vais trouver une solution. Après m'être éclaté dans un niveau. Amy a été enlevée ou quelque chose? Ben ouais, c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Hop là, on va faire ça. De toute façon, après, c'est des trucs que je me sers pas. Mais en gros, ouais, on est arrivé sur cette île. Il y a eu un problème, on sait pas trop comment on s'est retrouvé dans un monde numérique. Donc un petit peu le même genre de monde que dans lequel on va aller. Et en gros... Et en gros, depuis, on a retrouvé Amy, mais dans un état un petit peu broken, quoi. Non, Mario qui court après Peach et Sonic qui court après Amy. Bah, c'est ça, après, Amy a beau courir un petit peu après Sonic, voilà, ça reste des amis, quoi. Et Sonic sauve ses amis. J'ai tellement loupé des rings rouges, je pense. Wouhou ! Ah, c'est la troisième ! Ouais. Ok, d'accord, j'avoue que je connais pas bien la licence de Sonic. La licence de Sonic est très changeante hein, en matière de lore. Pas se mentir. Ah, oups. Mais oui, du coup, au niveau des personnages, j'ai eu... Ah non, j'ai eu deux pièces. Au niveau des personnages, oui, c'est plutôt Amy qui court après Sonic et Sonic qui a tendance plutôt à fuir. Ah, j'en vois une déjà là. Oh. Kalten. La musique, elle est assez ouf. Best of de février, faudra que je mette ça en intro. J'espère que tous les best of que j'ai postés du coup dans la semaine vous ont plu. Je suis content d'être globalement à jour. Je vais pas dire non plus à jour puisque c'est pas vraiment vrai en fait. Il m'en manque encore une. Hein. Deux rings rouges. Mais c'est, ça a été aussi l'occasion. Ah ! D'accord. Ça a été aussi l'occasion pour moi de revivre les passages et en fait. Ils sont plutôt cool, je trouve. Faut que je les regarde. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé les monter. Heureusement, parce que du coup, j'ai fait... J'y ai passé quand même pas mal de temps. Donc, imagine, j'aurais... J'aurais fait ça sur un... Des best-of qui me plaisent pas, ça aurait été un peu dommage.
Bon, voilà. Là, je fais ça essentiellement juste pour... Ah, je valide quand même le 40 ring. Bon, ça, c'est cool. Mais aussi, je sauvegarde la deuxième ring rouge. La quatrième, pardon. Il me reste la deuxième. Et la première aussi. Ah. Ah mais non. Je vais réessayer. Il y a un truc qui m'a interpellé là. Bien sûr. Bon, bah, allez, merci psy. Ah ! Putain, elle était là. C'est sérieux ? Je me suis fait chier à passer par le chemin le plus dur. Tout ça pour me foirer. Quoi ? Ouh. Je sais plus combien c'est le temps qu'il faut que je fasse, mais... Pourquoi faire simple, c'est ça. Le plaisir de se compliquer la vie. Les gens, il va falloir que je refasse une pause toilette. Je vous dis à tout de suite. Mais là, il faut vraiment que j'y aille. Du coup, on va juste sortir, quitter le mode entraînement. Je vous laisse avec les petites cinématiques et puis à tout de suite. Heureux. Hop. Alors, ça c'est fait, il me reste encore un niveau, un portail à faire. Va y avoir la pêche aussi. Et les derniers souvenirs de Amy, évidemment. Oh, est-ce que j'avais vraiment envie de le faire, lui ?
pas vraiment. Parce que là, on a encore un portail. Là, on a de la map. Il va y avoir un petit peu de map encore à faire ici. Hop. Salut l'ermite. Oh bah tiens, attends, l'ermite. Alors, défense améliorée jusqu'au niveau 16 et puissance améliorée jusqu'au niveau 14. Pas mal. Alors, voyons voir. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Ah. Ah. Je veux ça. Ça, c'est bien ça. Bon, ok. Ah, voilà ce que je voulais. C'est quand qu'il sort Sonic Frontier 2? Oui donc. Je crois que c'est le dernier portail qui me reste à faire. Épée. On n'a pas eu de Sanctuary... Si, on a eu Sanctuary Sky déjà. Le coco doyen est large et rond, non mais oh. Ah, alors. Niveau Green Hill, mais en 2D. Je crois que dans son level design, il est très semblable au tout premier niveau de Sonic. Pas exactement la même chose, mais quand même, on voit les similarités. Hop là, non, 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 je voulais pas aller, je voulais pas aller en bas. Ah! Bon, ça va, ça va, ça va. Ah! Ah non, j'ai quand même eu. Ok. Oh, très bien. Non! Bon, bah voilà. Je vérifie quand même s'il n'y a pas un truc là. Je veux les pièces rouges. Waouh. Fait un moment qu'on en a pas vu des pièces rouges. J'espère que j'en ai pas manqué. Tu te calmes. 3. Est-ce qu'on arrivera à faire les 3 en un coup? La réponse dans un instant. En tout cas, il nous en reste plus que une à trouver. Hop là! Yes! 1 minute 53, bon, 1 minute 53 c'est clairement trop long, je pense. Rendez.
1 minute 15 pour la voir, mais sinon j'ai tous les autres trucs. Donc maintenant, on se focus sur la vitesse. Ah non, bon, tant pis, c'est pas grave, ça nous fait pas perdre plus de temps que ça en vrai, donc hop, ok. Hey, j'ai plus beaucoup de temps là. 10 secondes, vite. Oh non. Heureusement que j'ai dit vite. Bon, allez. Va falloir réussir à être plus efficace, monsieur. Oh, j'ai pas pu. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Eh, déjà, rien qu'en passant par là, je pense qu'on va gagner quand même pas mal de temps. De toute façon, généralement, le chemin le plus rapide... De toute façon, t'es... Jeu Sonic, t'es avantagé si tu restes en hauteur. De manière générale, c'est ça qui se passe, hein. On va pas se mentir. Ce qui est logique en un sens, hein. Rester en hauteur, c'est plus difficile. Donc, niveau gameplay, tu es récompensé si jamais t'y arrives. Non, mais par contre... Oh, je suis déjà à 1 minute 25. Allez. Oh. Allez. Là, je suis sur le bon chemin. Sur le bon chemin. C'est difficile d'aller là-haut. Pas comment faire. Bien, Kalten. Très bien joué. Ah, je suis fier de moi. Bien. Là encore. Allez, on recommence. Ça sert à rien en fait de s'entêter à aller là au-dessus. Hop. Oh. Allez. Allez, on croit en toi, Sonic. Voilà, on croit plus en toi, Sonic.
5 secondes. Sérieusement? Pour les mener vers d'autres lendemains. Je m'en suis bouffé des choristes, hein. J'avais adoré ce film à l'époque. Bébé. Donne la main pour les mener vers d'autres lendemains. Putain, je connais même la ligne des basses, quoi. Non, pas par là. Pourquoi je suis allé là en dessous? Ah, c'est pas comme si j'avais dit le mieux c'est de rester en hauteur. Je crois que j'ai perdu pas mal de temps à aller en bas. Je n'ai pas beaucoup vu pour ma part. Ah. Et si on se concentrait dès le début du niveau? À part là que je voulais aller. Mais je pense que j'ai pas fait une trop mauvaise run là par contre. J'aime pas cette partie. Plus que 25 secondes, mais ça va être chaud quand même. Remarque. Oh, sérieusement. Ah, mais il y a des ennemis partout là, par contre. C'est moyen cool. Cette run, enfin cette route qui t'envoie ensuite dans la gueule des ennemis, quoi. Concentration. Compliqué, hein. Je peux pas m'autoriser ça. Genre. Je sais pas ce que c'était que ça, mais. Au revoir, je t'aimais bien. Oh, je t'aimais bien. Je voulais pas aller là-bas. Kalten tente des trucs. Aïe, Kalten a tenté des trucs. Et hop là. En vrai, c'est pas si mal, là. Oh. Putain. Je
commence à voir un peu flou. Hein. Je pense qu'il va vraiment falloir que j'arrête à la fin de ce niveau. Oh! Oh! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai une légère avance par rapport à d'habitude. Ok, ça va être ici. Ouh! Yes! Ah, oh, on y est! 1 minute 11 au lieu d'une minute 15. On va pouvoir quitter le cyberespace. Ah si, j'avais dit que je voulais terminer la carte quand même. He did it. Yeah. Ok. Je savais plus qu'on pouvait glisser comme ça. Hop, un coup de coca et puis on part finir cette putain de map. Comme ça, la prochaine fois, il reste plus grand chose. Il reste les trucs de Amy. Dont une énigme, un peu relou l'énigme d'ailleurs, et ensuite il reste bah c'est tout. Ah, il restera la pêche aussi. Hop là, allez, il restera ça. Voyage instantané déverrouillé vers tous les portails. Dire que maintenant on a un voyage instantané assez facilité. Donc il nous reste combien de trucs à avoir pour elle là? Parce qu'après il y a aussi le boss quand même du 3. Il y a aussi quand même le boss, vous savez, de l'île à affronter. Le combat n'est pas forcément simple. Hop. Je connaissais pas ce spawn là, tiens. Donc bon. Ouais. Non. Caméra, je peux pas. Ok, bon bah je peux pas. Ouais, à la base je voulais juste. Oh bah tiens, c'est quoi? Voilà. Ici on devrait être globalement safe tant que bah du coup il n'y a pas de gardien. Ah, sachant que les gardiens peuvent réapparaître hein, ensuite. Ouais, une barre qui se déplace en bas de l'écran. Barre blanche. Bref, je vais sauvegarder ici. Sauvegarder les données. Pas disponible quand Sonic n'est pas en mesure de contrôler un.
Mais il est pas en mini-jeu là, qu'est-ce que tu racontes? On va s'éloigner pour voir, mais c'est chelou. Qu'est-ce qu'il me fait le jeu là? Peut-être que comme c'était une zone dans laquelle il y avait un gardien, ça interprète le fait que on n'est pas assez sûr, donc ça ne veut pas sauvegarder. Pas. Donc oui, je disais, hop, sauvegarder les données. Clac. Ici. 33h30 ma première partie du coup. De toute façon qu'il a de te regarder. Ouais. Sympathique les gardiens, dis donc. Ouais, mais très agréable à combattre. Selon les gardiens, évidemment, mais moi j'ai toujours le squid, j'adore faire ce mob. Enfin bref. YouTube, on va se laisser ici, ça fait déjà un gros live parce que vous avez peut-être pas vu. Vous avez peut-être vu que la partie Sonic Frontiers, mais j'ai fait une partie Sly 3 juste avant. Ça fait littéralement 5h26 que je suis en stream. Le tout après une journée de boulot, évidemment. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les VOD suivantes. Et notamment, bah, venir me rejoindre sur Twitch où se passent tous les lives. Vous avez tous mes autres réseaux en description. Et puis moi, je vous fais des gros bisous en attendant. Et à la prochaine. Ciao YouTube.